Bien, bonsoir. Donc, je m'appelle François Ripard, je suis notaire à Sevran. Je vous remercie d'avoir bravé le froid, le blizzard, la tempête pour venir passer un petit moment ici. Et donc, du coup, on est ici pour parler un petit peu rapidement des différents régimes qui s'offrent aux couples qui veulent organiser leur vie commune. Donc, cette conférence s'appelle Pax ou mariage, quelle union choisir? En pratique, vous avez même trois choix pour être un petit peu complet, Pax, mariage et le concubinage, hein, puisque évidemment c'est le choix que font, parfois par défaut, parfois volontairement, la plupart des couples qui commencent. On en parlera peu, parce qu'il y a un régime juridique qui est quasiment inexistant. On va plutôt parler ce soir du Pax et du mariage. On va diviser le temps qu'on a ensemble en deux parties. Je vais vous parler un petit peu, pas trop longtemps. Pas de manière trop technique, c'est pas l'intérêt, pour vous expliquer de manière claire, synthétique, les différentes possibilités juridiques qui s'offrent aujourd'hui à un couple. Et puis ensuite, je vous laisserai la parole pour que vous puissiez me poser les questions que vous pouvez avoir sur des cas plus particuliers, souvent vos cas à vous. Et j'y répondrai avec grand plaisir si c'est dans mes possibilités. Voilà. Donc pour commencer, notre première partie, on va parler du Pax. Avant tout, évidemment, ça paraît évident, mais ça vaut toujours mieux en le disant. Tout ce que je vais vous dire, c'est un aspect juridique. Il est tout à fait certain que pour un couple qui, je dirais, réfléchit à l'organisation de sa vie, le juridique n'est pas le seul argument, bien entendu. Il y a toute une série d'autres arguments, je dirais, affectifs, sentimentaux, qui rentrent en compte, souvent plus que le juridique. Là, ça dépasse évidemment les compétences d'un notaire. Moi, je vais bien sûr vous parler des arguments juridiques. Donc, d'abord, le Pax. Le Pax, c'est quoi? Le Pax, c'est un mode de conjugalité qui est nouveau, qui est récent, hein, puisque on est sur un mode qui aura bientôt 20 ans. Et donc, du coup, le Pax, c'est une union, hein, un contrat, qui se veut, en tout cas, une certaine alternative au mariage. Les deux ont des points communs, on va le voir, beaucoup. De plus en plus, aussi des différences au niveau de l'état d'esprit, au niveau aussi des conséquences juridiques. Donc le Pax, tout d'abord, quelques données chiffrées, on ne va pas regarder ça en détail, mais rapidement, quand on regarde le nombre de mariages et de Pax, d'après les chiffres qu'on a, qui sont des chiffres qui sont toujours avec un petit peu de décalage, aux dernières nouvelles, on était pour, je dirais, environ 228 000 mariages par an, entre personnes de sexe différents et puis donc un petit peu plus entre personnes de même sexe, donc à peu près 235 000 mariages à l'année et à peu près 188 000, 190 000 Pax. Assez peu de différence au final quand on regarde l'évolution des chiffres. Le nombre de mariages est relativement stable, plutôt à la baisse mais de manière très faible. Le nombre de Pax monte régulièrement. Aujourd'hui, on considère souvent que il y a à peu près 2 Pax pour 3 mariages en France chaque année. Donc, c'est pas quelque chose, le Pax, qui est un petit phénomène. C'est quelque chose d'aujourd'hui très important, qui touchait à la base une certaine population, souvent des jeunes avec de l'argent. Cette, je dirais, circonscription du Pax, ça évolue. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui viennent se paxer, c'est des gens qui sont très différents. Qui sont vraiment des gens de tout horizon, de tout âge. J'ai déjà paxé un couple de gens qui avaient bientôt 90 ans, qui s'étaient déjà mariés et puis qui voulaient plus se remarier, mais qui voulaient quand même avoir un cadre. Et je l'ai fait avec grand plaisir. Donc, du coup, effectivement, on a quand même un phénomène qui est un phénomène important. On en parle beaucoup moins que le mariage. Ça reste quelque chose sur lequel on a moins de recul parce que c'est récent, mais c'est quelque chose de très important, même si on ne s'en rend pas compte. Vous voyez qu'évidemment, très rapidement, le nombre de Pax de personnes du même sexe est très faible. Quand le Pax, je dirais, a été créé, il y a eu beaucoup de polémiques à l'époque. Ça paraît délirant maintenant, mais c'était déjà il y a 20 ans. Ça parlait d'un sous-mariage homosexuel déguisé. On se rend bien compte, ça a toujours été le cas, que bien sûr, le Pax n'est pas réservé aux couples homosexuels et qu'il n'est pas plus utilisé par les couples homosexuels que le mariage désormais. Donc, c'est quelque chose évidemment qui est vraiment pour tout le monde. Donc là, voilà, on voit encore les courbes de manière différente. Et donc on voit effectivement que on a des courbes qui montent plutôt pour le Pax et qui restent assez stables pour le mariage. Rappel des textes légaux, ça c'est les références des différents textes
qui régissent le Pax. On a un régime général du Pax qui est, je dirais, contenu dans les articles 515.1 et suivant du Code civil. Je ne vais pas vous les lire, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Et c'est que le Pax, c'est quelque chose qui a beaucoup changé régulièrement. C'est un mode qui est jeune, mais qui a déjà subi différentes mutations. Et donc, notamment sur le rôle du notaire, puisque le notaire a une importance dans le Pax qui va aller croissant, puisque maintenant, le notaire peut être quelqu'un depuis 2012 qui va de bout en bout s'occuper de votre Pax et procéder à toutes les formalités. Les droits et obligations des partenaires. Un petit peu comme un mariage, se paxer implique des conséquences, et donc du coup, être paxé donne des droits et des obligations d'un partenaire vis-à-vis de l'autre. Obligation de vie commune, c'est pas évident, le Pax, évidemment, c'est pour une vie commune. À noter d'ailleurs que même c'est pas dit dans les textes, quand on parle de vie commune, on parle de vie de couple. Hein, évidemment, le Pax n'est pas adapté pour des colocataires qui n'ont pas de rapports sentimentaux. Alors évidemment, c'est très compliqué de définir ce que c'est qu'une vie de couple par rapport à une vie de colocation parfois, mais en tout cas, il faut quand même qu'il y ait une dimension qui soit plus que de la simple cohabitation entre colocs. Aide mutuelle et devoir d'assistance, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'équivalent au mariage. Lorsque vous êtes paxé, bah vous devez aider votre partenaire. On peut être ou pas avec un patrimoine plus ou moins commun, mais n'empêche que même si mon argent, c'est mon argent, si demain ma partenaire ou mon partenaire n'a pas de quoi vivre, je dois l'aider, je dois contribuer. Donc un devoir d'assistance. Obligation aux dettes contractées pour le besoin de la vie courante, là encore c'est quelque chose qui est relativement similaire, même si les termes ne sont pas exactement les mêmes avec ce qui se passe au niveau du mariage. Si demain je fais un crédit pour m'acheter une voiture de luxe pour moi tout seul, ma partenaire, si je suis séparé de bien, n'est pas concernée par cette dette. En revanche, si je fais un crédit pour acheter à manger à nos enfants ou pour m'acheter, je dirais, un lave-vaisselle à crédit, elle peut être concernée. Donc, solidarité pour les dettes de la vie courante. Et donc, évidemment, cette solidarité ne s'applique pas pour les dépenses manifestement excessives ou les emprunts, hein, sauf emprunts modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. C'est les exemples que je vous donnais. Deux régimes en matière de Pax. En gros, lorsque vous paxez, vous avez un choix très important. Est-ce que, au niveau patrimonial, on reste en séparation ou est-ce qu'on va partir sur un régime d'indivision? C'est un choix qui est important parce que c'est un choix qui va déterminer comment va s'organiser votre patrimoine, votre patrimoine actif, ce que vous allez acheter, ce que vous allez gagner, et votre patrimoine passif, les dettes que vous pouvez avoir tout au long de votre vie de couple. Ce régime, ce choix a évolué dans le temps. À l'origine, dans le Pax, par défaut, on était sur un régime d'indivision. C'est-à-dire que par défaut, si je dis rien, si j'applique la loi, j'achète une voiture tout seul avec mon argent, mon partenaire va en être propriétaire avec moi. Ça a changé. Et donc, depuis une dizaine d'années, désormais, par défaut, ce que dit la loi, c'est qu'on est sur un régime légal de séparation. Donc du coup, si j'achète demain avec mon argent une voiture, c'est ma voiture. Si j'achète demain une maison, c'est ma maison. Donc du coup, les seuls biens qui sont indivis, vous le voyez sur le tableau qui doit être derrière moi, c'est les biens qu'on achète ensemble. Évidemment, être en séparation ne vous interdit pas d'acheter avec la personne, bien entendu. Comme un époux séparé de biens, si demain j'ai un projet commun avec mon ou ma partenaire, on peut se mettre à deux pour acheter une maison, une voiture ou ce qu'on veut, en mettant les quotes-parts que chacun finance. Si je finance 60%, ben je serai propriétaire de 60% et l'autre de 40%. Donc du coup, évidemment, ça n'interdit pas d'acheter en indivision. Mais par défaut, les biens que chaque partenaire avait avant le Pax restent personnels, les biens reçus par donation ou succession restent personnels, bon, les biens à caractère personnel, les soins de famille, les vêtements, évidemment, et aussi les biens que chaque partenaire acquiert seul. Donc je peux acheter seul avec mon argent. Évidemment, mes loyers, mes salaires restent personnels. Ça, c'est ce qui se fait par défaut. Si demain, vous allez vous paxer en disant au maire ou au notaire, je me paxe selon la loi par défaut, c'est le régime auquel vous serez soumis. On a aussi un régime optionnel, qui est le régime de l'indivision. Ce régime ressemble sur certains points au régime légal de communauté réduite aux acquis que connaissent les époux. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Il a certaines différences. Ce régime d'indivision, le principe, c'est que tout ce qui est acquis, acheté après la conclusion du Pax,
sera la propriété des deux, quelle que soit la personne qui l'ait financée, quelle que soit la personne qui l'ait achetée. Je me paxe sous le régime de l'indivision. Demain, j'achète une voiture tout seul avec mes sous, avec mes salaires, avec ce que je veux. La voiture, même s'il n'y a que mon nom sur la carte grise, même si j'ai signé seul le papier, sera aussi la propriété de mon ou de ma partenaire. Et donc, du coup, effectivement, on est sur quelque chose qui a un intérêt pour un couple dans lequel on souhaite faire participer son partenaire ou sa partenaire à un certain enrichissement, un petit peu comme pour le régime de la communauté. Ça n'interdit pas, évidemment, que chacun garde un patrimoine personnel séparé, puisque ne sont soumis à ce régime d'indivision que les biens qui sont achetés après la conclusion du pax. Donc un bien qui n'est pas acheté, c'est-à-dire un bien que j'avais avant de me paxer, un bien que j'hérite, un bien qu'on me donne, un bien que je crée demain une société, je ne l'ai pas acheté, elle me reste personnelle. Ça reste un bien personnel. En revanche, tous les biens acquis, sauf cas exceptionnels, j'ai passé les exceptions, c'est des cas un petit peu marginaux, tous les biens acquis vont rester des biens indivis, ce qui signifie qu'on ne pourra pas les revendre sans l'accord de l'autre. Et c'est un point important, vous le voyez, si l'un des partenaires finance plus de la moitié du bien, il ne pourra pas obtenir le remboursement de l'excédent. Il faut bien savoir, quand on est paxé sur un régime d'indivision, que je dirais, ensuite, même s'il y en a un qui a financé plus que l'autre, et qu'un jour, en général, parfois ça se passe moins bien, on ne pourra pas demander le remboursement. Donc il est hors de question de dire, on a acheté la voiture ensemble, mais c'est moi qui ai tout payé, donc maintenant qu'on se sépare, tu me rembourses la moitié. Non, un bien acquis pendant l'indivision, sauf cas exceptionnel, il est aux deux, quelle que soit la personne qui a réellement payé. Donc un régime intéressant, mais un régime évidemment qui est assez lourd de conséquences, et donc qui nécessite vraiment que les partenaires soient bien informés des obligations qui pèsent sur eux, pour pas justement qu'il y ait de malentendus. Voilà donc c'est qui s'offre aux partenaires. Quand vous paxez au jour d'aujourd'hui, vous devez remplir une convention. Et c'est dans cette convention que vous avez notamment le choix entre ces deux régimes. Cette convention, c'est donc le document le plus important que vous allez avoir à signer si vous partez sur un pax. On voit plein de modèles de conventions sur Internet, un petit peu partout. Certains sont très bien, d'autres un peu moins bien, comme tout ce qu'on peut trouver. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment y porter une attention. Ce n'est pas juste une formalité. Ce n'est pas juste un machin qu'on a imprimé sur Internet et qu'on va donner, je dirais, à monsieur le maire, et puis après qu'on va oublier. C'est ça qui va régir comment va se passer votre patrimoine à tous les deux pendant tout le temps de votre union. Et évidemment, je dirais, c'est aussi ça qui va régir les règles qui vont s'appliquer au partage si un moment ou un autre, il y a une séparation. On ne pense pas très souvent, évidemment, à la séparation quand on part sur une notion de couple, mais c'est une nécessité d'y penser. Et donc, du coup, évidemment, la première chose, quand on va se paxer, c'est vraiment de réfléchir à sa convention. Au jour d'aujourd'hui, vous avez deux moyens de vous paxer. Soit vous allez à la mairie, fut un temps, c'était le tribunal, depuis le 1er novembre, maintenant, c'est à la mairie, et soit vous vous paxez devant le notaire. Deux solutions, les deux sont tout à fait valables, évidemment. Le pax notarié a quand même des avantages. Il a un inconvénient, notamment, c'est le coût. En mairie, c'est gratuit. Un pax notarié, au jour d'aujourd'hui, ça coûte à peu près, tout compris, 400 euros. Entre les émoluments du notaire, la TVA, les frais divers et variés, vous avez 400 euros de frais de pax. C'est pas rien. Après, par rapport à l'importance que ça peut avoir pour vous, c'est pas non plus des sommes qui sont très importantes. Le pax notarié a des avantages. Et donc, notamment, ça vous permet d'avoir les conseils. La mairie, son rôle, c'est pas de vous donner des conseils. Elle n'est pas là pour vous dire, pour vous expliquer vos droits et vos obligations, elle n'est pas là, c'est pas son job, pour vous dire attention, faites gaffe à ça, faites gaffe à ci. Elle est là pour enregistrer une convention que vous allez lui apporter. C'est pas elle qui va la préparer. Vous allez venir avec votre convention et différents autres papiers, elle va l'enregistrer. Et donc du coup, effectivement, vous n'aurez pas le conseil. Le conseil, on le trouve partout, on voit des infos sur Internet, elles sont souvent très bien, il faut faire attention. J'ai quand même tendance à penser qu'on est sur des choses qui sont importantes, qu'en général, on ne fait pas 50 fois dans une vie, c'est surprenant. Et donc du coup, ça mérite quand même une véritable réflexion, et donc ça mérite de pouvoir prendre les informations. Et donc aller voir le notaire vous permet d'avoir ces informations pour être certain que la convention que vous allez signer va vraiment correspondre
à vos souhaits, à ce que vous cherchez. Donc le notaire, après, évidemment, il va faire du sur-mesure. Il ne va pas vous faire une convention qu'il va imprimer sur Internet. Il va discuter avec vous, prendre le temps, voir un petit peu vos attentes, votre situation, qu'est-ce qui est important pour vous, et il va rédiger la convention selon vos attentes. Donc je dirais, on va être sur du sur-mesure et pas sur du prêt-à-porter. Le notaire aussi va s'occuper de toutes les formalités d'enregistrement. Donc en gros, quand vous entrez chez le notaire pour vous paxer, vous signez son acte, et puis ensuite vous êtes paxé, d'ores et déjà, vous n'avez rien d'autre à faire. Le notaire après va se charger de notifier ce pax à vos mairies de naissance respectives pour que le pax devienne opposable au tiers. Il va s'occuper de tout. Et un dernier point, qui est un point qui paraît tout à fait anodin, mais qui, à mon avis, est fondamental, c'est la conservation. Une convention de pax, lorsque vous paxez à la mairie ne va pas la garder. La mairie va mettre un coup de cachet, un coup de tampon, ou je ne sais comment ils font, puisque c'est récent, avant c'était le tribunal, comme quoi elle a enregistré votre convention et va vous donner un certificat comme quoi vous êtes paxé. Mais la convention, elle va vous la rendre. Or, cette convention, c'est la règle du jeu sur tout ce qui va toucher à votre patrimoine. Ce qui veut dire que si vous la perdez, ben vous êtes très embêté. Ça paraît ridicule, c'est un papier qu'on a trouvé sur Internet, mais ne pas avoir sa convention de pax au jour d'aujourd'hui pour un coup paxé, c'est très embêtant. Parce que ça signifie qu'on n'a aucune idée si vous êtes paxé en séparation ou en indivision. Et ça, effectivement, bah, le jour où vous allez vouloir vendre un appartement que vous avez acheté seul, bah, on ne peut pas prouver si le bien appartient à vous seul ou à vous et votre partenaire, parce qu'on n'aura pas la convention. Et qu'une fois que vous l'aurez perdue, on n'aura pas possibilité de la retrouver. Et donc, c'est vrai que du coup, ça paraît ridicule, mais c'est un vrai souci. On voit des couples, je dirais, qui viennent avec leur certificat comme quoi ils sont paxés, mais la convention, bah, ils ne la trouvent plus. Et là, du coup, on est tout à fait incapable de pouvoir savoir si le bien appartient à l'un ou à l'autre. Et effectivement, c'est quand même un vrai souci. Donc, c'est vrai que la conservation, un notaire, il doit garder ses actes. Ça vaut pour le pax comme pour n'importe quel acte du notaire. Quand le notaire vous signe une vente chez lui, il va assurer la conservation de l'acte sans limitation de durée. Et donc, pour votre pax, c'est pareil. Donc, c'est vrai que c'est une véritable sécurité. Au moins, ça ne se perdra jamais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Dans 30 ans, dans 40 ans, pour les gens qui vont se paxer en longue durée, pour l'instant, on ne le voit pas encore. Le pax, c'est récent. Il y a de plus en plus de gens qui se paxent. On n'a pas encore fait beaucoup de successions de gens paxés. Il n'y a pas encore eu beaucoup de problèmes, de procédures. Mais à un moment, ça va arriver. Et c'est vrai que là, les gens qui se seront paxés à la mairie ou au tribunal avant et qui ont perdu leur convention, ça va être un vrai souci. Donc la conservation, c'est fondamental. Donc vraiment, si vous paxez, je dirais, devant la mairie, gardez-la. C'est vraiment, vraiment très important. Voilà donc ce que je peux vous dire sur les régimes du pax. Ensuite, parallèlement au pax, on a le mariage. Le mariage, vous savez ce que c'est, évidemment, institution plus que millénaire. Le mariage, comme pour le pax, vous avez différentes possibilités hein, au niveau des régimes qui s'offrent à vous. On est sur une logique un petit peu inversée par rapport au pax. C'est-à-dire que le pax, je vous l'ai dit tout à l'heure, par défaut, vous êtes paxé en séparation. Chaque partenaire conserve son patrimoine. Dans le mariage, c'est le contraire. Vous êtes par défaut marié sous un régime de communauté réduite aux acquis. C'est le régime légal en France depuis les années 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sont communs tout ce qui est acquis depuis le mariage, sauf exception. Donc on a une masse commune avec les biens créés. Là, pour le coup, différence par rapport au pax. Le pax, même en indivision, je crée une société, elle est qu'à moi. Mariage, je crée une société ou un fonds de commerce, il est commun. Les gains et salaires, mes revenus, mes salaires sont communs. Et également les fruits et revenus des biens propres. C'est-à-dire que j'ai un bien qui est qu'à moi parce que je l'ai acheté avant le mariage. Ces revenus, par exemple, si j'ai un bien immobilier, les loyers, si je l'ai mis en location, sont communs. Reste propre en revanche, les biens acquis avant le mariage, les biens reçus par donation ou par succession et les biens acquis avec des fonds propres. Si j'ai hérité de 100 000 euros de ma maman et que j'achète un appartement avec, même si je suis marié, tant que j'utilise les 100 000 euros que j'ai hérité, le bien que j'ai acheté va rester un bien propre. Donc ça, c'est le régime par défaut. Si demain, vous allez vous marier et que vous n'avez pas fait de contrat particulier, c'est le régime sur lequel vous serez marié. Le passif, c'est parallèle. Sont communes les dettes contractées pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux avec des risques de récompense. Si c'est une dette personnelle, je ne reviendrai pas dessus, on ne va pas rentrer dans les détails. Et reste propre, par contre, les dettes qui sont nées avant le mariage ou les dettes liées aux successions-donations. Donc, en gros, les dettes qui sont relatives
à vos biens propres. Ça, encore une fois, c'est le régime par défaut. Ça peut convenir à beaucoup de gens. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même la très grande majorité des gens mariés qui sont sous ce régime-là. Ça peut ne pas convenir à certaines personnes. Et si ça ne convient pas, il faut impérativement faire un contrat de mariage. Ce contrat de mariage se fait devant le notaire, nécessairement, et se fait avant le mariage. Hein, ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste là encore. C'est que si on doit se marier, les décisions sur le contrat et le régime qu'on va adopter, vous les prenez, je vous en supplie, avant. Parce qu'une fois que vous êtes marié, c'est beaucoup plus compliqué de changer de régime matrimonial. Parce qu'il y a un délai de 2 ans. Parce que si vous avez des enfants mineurs, il faudra aller devant le juge. Parce que vous avez des formalités, parce que vous avez un coût. Un contrat de mariage, c'est comme un contrat de pacte, ça vous coûte à peu près 400 euros. Mais vous le faites avant de vous marier. Le notaire vous donne un petit certificat, comme quoi vous avez fait un contrat. Vous donnez le certificat à monsieur le maire avec le reste de votre dossier de mariage. Et vous serez marié sous le régime que vous aurez choisi. Différents régimes qui sont possibles. Premier régime, la séparation de biens. Un petit peu comme pour le pax séparatif. Ça n'empêche pas d'acheter ensemble, donc il peut y avoir des biens indivis. Si je suis marié en séparation de biens, je peux m'acheter un appartement ou une voiture avec mon conjoint ou les biens dans lesquels les deux ont acheté ensemble, sans précision de quote-part. Dans ce cas-là, par défaut, on considère que c'est par moitié. Par contre, il y a des biens personnels, c'est-à-dire qu'on peut acheter seul. Le passif, même idée. Hein, les dettes qui sont liées à un bien indivis sont des dettes qui sont indivises. Hein. Les dettes qui sont souscrites par les deux, évidemment, sont indivises également. Et puis les dettes concernant la solidarité ménagère dont je vous parlais tout à l'heure pour le PACS, puisqu'elle correspond aussi au mariage. En revanche, les dettes personnelles restent personnelles. En gros, demain, je suis sur un régime de séparation, j'achète une entreprise, j'emprunte pour acheter cette entreprise, l'entreprise, elle est à moi, le prêt, il est aussi à moi. Ma femme ou mon mari n'est pas normalement concerné, sauf s'il se porte caution. Deuxième régime, c'est l'exact inverse, c'est la communauté universelle. La communauté universelle, l'idée, c'est que sauf cas exceptionnel, tous les biens sont communs. Même les biens qui étaient la possession d'un des époux avant de se marier, même les biens qui viennent de succession ou de donation, tout est commun, l'actif comme le passif. C'est simple. Ça pose des problèmes, hein, évidemment, notamment en cas de divorce après. C'est un régime qui, très souvent, est conseillé pour des gens souvent assez âgés et qui, par exemple, n'ont pas d'enfants d'un premier mariage, n'ont parfois même pas d'enfants du tout et qui veulent vraiment que tout reste à eux. C'est un régime qu'il faut prendre avec précaution, notamment pour un couple jeune. Donc là, effectivement, vous avez un petit récapitulatif des différents régimes juridiques. On a également rapidement le régime de participation aux acquis, qui est un régime qui est peu employé, qui est pourtant intéressant, qui est un petit mix entre la séparation et la communauté. En gros, pendant le régime, vous êtes en séparation, chacun garde son patrimoine. Lorsque le régime est dissous, par divorce ou par succession, je dirais celui qui a gagner le moins d'argent, pour vous la faire simple, pendant le mariage, a droit à la moitié des bénéfices de l'autre. Possibilité de faire une société d'acquis, c'est-à-dire on part sur une séparation de biens, mais on décide quand même que certains biens, parfois notamment la résidence principale, vont être communs. Bref, on a des aménagements. Par défaut, si vous ne faites rien, et c'est le cas de la plupart des gens, vous serez marié sur le régime de la communauté, qui peut très bien vous convenir. Là encore, l'idée, c'est pas de vous dire « prenez tel ou tel régime ». Il y a, je dirais, autant de réponses que de couples. L'idée, c'est réfléchissez le plus en amont possible avant de vous marier, parce qu'après, c'est compliqué, et faites votre choix en connaissance de cause. Et si en connaissance de cause, vous dites « bah non, la communauté, c'est parfait pour moi », allez-y. Il n'y a pas besoin, dans ce cas-là, de faire de contrat de mariage. Mais posez-vous la question, c'est important. L'idée, c'est pas de subir son régime, que ce soit pour le PACS ou pour le mariage, c'est de le choisir, d'être bien informé sur ses conséquences, positives ou négatives, et puis du coup, d'y aller en connaissance de cause. Obligations réciproques, écoutez bien, tout ça, je vais passer rapidement. Le but, c'est pas de vous faire un exposé, je dirais, de 4 heures sur toutes les causes et conséquences du mariage et du PACS. Je dirais, des informations, vous pourrez les reprendre, des consultations, vous pourrez en faire aussi. L'idée, c'est vraiment d'être vraiment synthétique.
Donc voilà, les obligations de secours et assistance sont valables sur des formes différentes, tant pour le mariage que pour le PACS. La propriété des biens, on vient d'en parler. Au niveau du bail d'habitation, que ce soit pour le mariage ou pour le PACS, il y a un certain parallélisme. C'est-à-dire que si je suis seul locataire de mon appartement et que je décède, même si mon conjoint ou mon partenaire PACSé n'est pas sur le bail à la base, il peut garder le bail pour lui. Voilà. L'impôt sur le revenu, on se déclare ensemble, que ce soit un époux ou un couple de partenaires PACSés, hein, donc conséquence assez importante, hein, sur les impôts. Pour la plupart des couples, c'est plus intéressant que de se déclarer séparément, ce qui est le cas des concubins, et donc il n'est pas rare que des gens se PACSent principalement pour ça, hein, c'est pas plus bête qu'autre chose. Hein. Après, faut faire des simulations tout simplement, vous avez parfois des cas, même s'ils sont minoritaires, dans lesquels c'est plus intéressant de vous déclarer séparément. Donc, il y a des simulateurs très bien faits sur impots.gouv. Jetez un œil pour voir les conséquences pour vous de rester en concubinage et donc de vous déclarer séparément ou de vous déclarer ensemble. L'ISF, l'imposition est commune, c'est tout le mal que je vous souhaite. Enfin, l'IFI maintenant, du coup, ça a changé. La rupture, important, on doit en parler. Le divorce, il a été réformé récemment, vous avez pu voir des articles de journaux dessus. Désormais, pour un divorce par consentement mutuel, vous êtes censé, sauf cas particulier, ne plus aller devant le juge, ça se fait directement entre vos avocats et ensuite la convention est enregistrée par le notaire. Ça reste quand même des choses assez lourdes, hein, et puis il y a la moitié de divorce, ce ne sont pas des divorces par consentement mutuel, et du coup évidemment qui nécessite d'aller devant le tribunal. Beaucoup plus simple pour le PACS, la rupture peut être un choix commun, c'est-à-dire que les deux sont d'accord pour plus être PACSés. Bah, ils font un courrier commun, une notification, une déclaration, soit à la mairie où ils se sont PACSés, s'ils sont PACSés à la mairie, soit auprès du notaire, chez qui ils ont rédigé leur convention de PACS, si c'est par un notaire. Donc c'est un rendez-vous, c'est vraiment quelque chose de simple. La rupture peut être unilatérale, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être contraint à rester dans un PACS, et donc du coup, ben, si je dirais je suis PACSé et que demain j'ai plus envie d'être PACSé, même si mon ou ma conjointe n'est pas trop d'accord, je peux lui envoyer un huissier, bon, évidemment, c'est toujours quelque chose, pour lui dire que je mets fin au PACS, et puis dans ce cas-là, je ne suis plus PACSé. Bref, on évite la lourdeur de la procédure du divorce. On a pu dire déjà, et je pense que c'est pas faux, que la meilleure pub pour le PACS, c'était la peur du divorce. Le divorce a traumatisé toute une série de gens, toute une série de générations qui ont vu des divorces autour d'eux, de leurs parents, les gens de ma génération. Il y en a plein qui ont déjà vu des divorces autour d'eux. On dit parfois qu'il y a la moitié des gens de région parisienne qui vont un jour de leur vie connaître le divorce, c'est rassurant. Et du coup, c'est quelque chose qui en général est mal vécu, c'est pas anodin. Et donc c'est vrai que beaucoup de gens qui se PACSent disent que bah oui, le divorce ça fait peur, ça fait flipper, donc dans un premier temps, se PACSer, ça permet au moins, s'il y a un problème, de pouvoir se séparer sans que ça dure des mois et sans que ça ait un coup délirant et une procédure traumatisante. La protection sociale est normalement assez alignée maintenant, ça a été progressif. Capital, décès, couverture sociale, normalement étendue, tant pour les mariés que pour les PACSer. Différence importante par contre, même si je dirais, parfois on n'y pense pas toujours, selon l'âge qu'on a, la réversion de retraite. Ça, c'est un grand atout du mariage par rapport au PACS. Au jour d'aujourd'hui, un PACSé n'a pas droit à la réversion de retraite de son partenaire. Donc c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte. Si vous vous mariez et que votre époux décède, vous aurez droit à une réversion sous condition. Si vous PACSez, vous aurez droit à rien. Ça changera peut-être. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Et en matière de succession, dernier point, et là vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. Quand vous mariez, vous héritez, sauf cas particulier, sauf testament, de votre époux s'il décède. Quand vous PACSez, sauf cas particulier, vous héritez de rien. Le PACS, ça a d'effet que pendant votre vie. Le jour où vous êtes décédé, le PACS n'a plus d'effet. Et donc du coup, il est extrêmement, extrêmement conseillé pour les couples PACSés de se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas en plus faire un testament pour protéger son conjoint, enfin son partenaire, en cas de décès. Parce que par défaut, il aura droit à rien. Et c'est vrai que du coup, notamment pour des gens qui vont avoir des biens qu'ils vont acheter en commun, c'est quand même un petit peu gênant que s'il y en a un qui décède, l'autre n'ait droit à rien. Donc du coup, il est fondamental de se poser la question, je ne dis pas de le faire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est quelque chose, je dirais, qui va être fait très rapidement, ça ne fait pas mourir plus vite, et ça vous permet de protéger de manière efficace votre partenaire. Donc, posez-vous la question.